tu m'avais parlé d'une plainte flexible. Est-ce que tu peux éventuellement nous montrer ça? Parce que ça, ça peut être une astuce sympa. Ça veut dire que, rappelez-vous, on a notre pied de toilette, par exemple, d'accord, qui est légèrement arrondi. On a fait notre coupe, hein, le stratifié est arrivé autour. Et puis, on a dans la gamme un produit qui est sympa. Plainte flexible à peindre. Donc là, comme vous voyez, c'est tout à fait propre. Comment est-ce qu'il faut le monter? Il faut le monter avec colle montage. Donc d'abord, colle sur le cylindre, colle sur la plainte, laisser gommer, et puis après, on va mettre la plainte autour et finir avec la peinture. Alors, vous vous rappelez qu'on vous a expliqué la pose en piezo, c'est-à-dire cette petite mousse PE, si vous êtes face à un toilette, vous n'hésitez, évidemment, vous vous rappelez bien qu'il va falloir la mettre au pied du toilette dans la dilatation que Gert a créée tout à l'heure. Dans cette coupe arrondie, hein, surtout avec le petit silicone qui va bien au-dessus pour garantir l'étanchéité sur le pied de toilette. Parce que justement, un toilette, malheureusement, c'est une zone où ça peut déborder, c'est pas forcément agréable. Oui, mais toilette, bac à douche, là, j'ose dire que peut-être ça peut être une situation d'exception, c'est-à-dire là, j'ose aller jusqu'au pied de la toilette parce que le joint de dilatation que je viens de bouffer là-bas, je peux le regagner sur les côtés. En principe, salle de bain, c'est pas, là, on ne parle pas de 200 mètres carrés. Donc, c'est assez limité, le mouvement. Mais ce qu'on va faire, quand je fais une découpe autour de la toilette, je vais le couper en en biais. Comme ça, ça veut dire que du côté bas, j'ai quand même un peu de jeu. Et en urgence, ça peut même monter légèrement. Donc, comme ça, ça va bloquer. En plus, il y a pas mal de gens qui disent « Bon, mais j'essaye de couper, je vais avoir une coupe plus propre et j'ai du mal, surtout avec une scie sauteuse. » À la limite, il ne faut pas oublier qu'on est sur du HDF. HDF haute densité, ça veut dire entre 850 et 900 kg au mètre cube. Mais quand on va couper à la scie sauteuse et on repasse un peu de papier vert, à ce moment-là, on va avoir une coupe qui est nickel et beaucoup plus propre. D'accord, donc Gert, ce qu'il explique, hein, vous avez compris, c'est qu'on peut réduire la dilatation d'un côté, l'augmenter de l'autre. Rappelez-vous, on était à 8 mm en moyenne de dilatation sur le sol stratifié. Donc, vous pouvez le réduire sur votre cuve de toilette et puis vous allez pouvoir l'augmenter de l'autre côté. Voilà, petite surface. Gert, tout à l'heure, je te posais une question avant le live parce que j'étais interloqué que tu coupes une plainte avec ton outil à l'envers, c'est-à-dire pas côté décor sur la scie, mais l'inverse. Le stratifié, tu préconises de le couper comment? En principe, je le coupe côté décor, côté haut, mais tout dépend du sens et du type de lame qu'on va utiliser parce qu'il y a des lames qui sont dirigées vers le haut. À ce moment-là, on va vraiment arracher le décor, donc il faut mieux avoir une petite lame pour découper le stratifié qui est vraiment dirigé vers le bas, comme ça on ne va pas abîmer le décor. D'accord.